tout le monde. Ton heure a sonné. La miséricorde de Dieu du ciel va réécrire l'histoire de ta vie. Peu importe là où tu as été et peu importe ce qui a eu lieu, une nouvelle chose va se produire dans ta vie aujourd'hui. Laisse-toi entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Il va réécrire l'histoire de ta vie ce soir. Donnez-moi un grand amen du lieu Alpha. Amen. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Un Dieu glorieux, un Dieu puissant, un Dieu fort que tu es. Seigneur, tu aimes tout le monde ici présent, sans ces exceptions. Les jeunes, les vieux, les pauvres et les riches. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, l'histoire de chaque vie soit réécrite au nom de Jésus. Nous venons, pas par nos mérites, mais nous venons par ta grâce. Nous venons pour la miséricorde et nous prions que ta miséricorde coule dans chaque vie et atteigne chacun ce soir au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont présents ici, que tous ceux qui sont en ligne, ceux qui sont partout connectés, que ta miséricorde réécrive l'histoire de chaque vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Tu peux donner meilleur amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Comme nous venons ce soir, parlant de la transformation glorieuse. Nous sommes en Malachie au chapitre 3, verset 6. Malachie, chapitre 3, le verset 6. Malachie 3, 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Le Seigneur te déclare et me déclare que notre Dieu ne change pas. Son amour, sa miséricorde, sa puissance, tout concernant Dieu, rien ne change. Il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Et il dit, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Comme nous lisons cela au présent pour vous et pour moi, c'est pourquoi vous, fils, enfants des hommes, dans votre ville, dans votre nation, là où vous êtes, alors vous n'êtes pas consumés. Alors, vous n'êtes pas consumés. Alors, vous n'allez pas périr. Je ne vais pas périr. Comment pouvons-nous le dire avec confiance? Parce que Dieu est l'Éternel qui ne change pas. Et il dit, aussi longtemps qu'il est vivant, aussi longtemps que vous venez à lui, vous ne serez pas détruits. Vous ne périrez pas. Peu importe ce que vous avez pu faire, quelle que soit la profondeur de ce que, de là où vous avez atteint, comme vous venez au Seigneur ce soir, tout ce qui est négatif dans votre vie passée, présent, futur, il va tout effacer. Et le Dieu du ciel déclare et il dit, je suis Dieu, je ne change pas. La même chose, nous apprenons au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. En Hébreux 13, verset 8. En Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un me donne un bon amen. Jésus-Christ, le Sauveur, le même. Il sauve toujours le pire, le plus violent des pécheurs. Parce qu'il n'a pas changé. Il guérit. Il délivre toujours. Il bénit toujours. Il bénit tous ceux qui viennent à lui. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et ce soir, il te donnera du repos. Il me donnera du repos. Il donnera à qui?
Il te donnera du repos au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce soir, comme nous démarrons notre croisade, la transformation glorieuse, nous parlons du message intitulé « Le Dieu inchangeable ». Trois points à considérer. Premièrement, concernant le Dieu inchangeable, premièrement, sa puissance inchangeable pour sauver. Sa puissance inchangeable pour sauver, qui ne change pas. Et pour cela, il a sauvé les autres avant. Et il va te sauver également. Il a pardonné aux autres avant. Il va te pardonner également. Il a transformé d'autres vies avant. Même ceux-là qui étaient pires que toi. Il les a transformés. Ton moment est venu. Mon heure a sonné. Deuxième point. Sa puissance illimitée pour guérir. Quelle que soit ta maladie, je me réjouis avec toi. Parce que ce soir, c'est la soirée de ta guérison. Il va te guérir. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les oreilles sourdes seront ouvertes. Les langues muettes parleront ce soir au nom de Jésus. Tu es lent à mener enchaîné. Parce que tu as des problèmes mentaux. Ce soir, ta délivrance est venue. Sa puissance est illimitée. Et pour cela, il a guéri hier, il va guérir aujourd'hui, et il va guérir chaque jour de cette croisade, de ce mois, dans l'état de Dieu, dans Abia et partout, au nom de Jésus. Troisième point, nous verrons sa puissance indéniable pour délivrer. Quel que soit ce que tu avais enchaîné, la délivrance est venue. Quel que soit ce qui te maintenait, la délivrance est venue. Est-ce que c'est le pire des mauvais esprits qui t'a entraîné dans la pire situation? Ne t'en fais pas ce soir, la délivrance. Ce soir, libération. Et nous avons sa puissance indéniable. Et ton témoignage ce soir sera indéniable. Amen. Premier point donc, sa puissance inchangeable pour sauver. La puissance inchangeable de Dieu à travers Christ qui nous sauve. Ésaïe chapitre 63. Verset 1. Ésaïe 63. Verset 1. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? Il dit, c'est moi qui ai promis le salut, qui est le pouvoir de sauver, de délivrer. Le Seigneur nous rassure qu'il parle dans la justice. Et quand il parle dans la justice, il parle selon la vérité. Il parle dans l'honnêteté. Il parle avec fidélité. Et parce qu'il est juste, et parce qu'il est saint, parce qu'il est véridique, et parce qu'il est fidèle, il est puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Si tes péchés sont grands, sa puissance est plus grande. Si tes péchés sont profonds, sa puissance est plus profonde. Si tes péchés sont larges, larges, comme si personne n'a jamais péché comme toi avant, sa puissance est plus large, plus grande, plus profonde, plus grande.
Voilà pourquoi je suis content que tu sois là, parce que ton salut est venu. C'est pourquoi il dit en hébreu 7. Et on dit c'est pourquoi, pour ça, il peut sauver. Même si on ne lit rien d'autre, cela semble suffisant. Il peut. Il vient à toi et il te regarde face à face et il dit, je suis capable. Ce problème, je suis capable. Cette difficulté, je suis capable. Et ce péché que tu sens si grand, cette culpabilité que tu ressens, je suis capable de pardonner et de sauver. Ce soir, je suis sauvé. Dis-le pour toi, non? Ce soir, je suis sauvé. Parce qu'il peut sauver. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent. Hébreux 7, 25. Et comme tu viens, il n'y a pas de doute dans ton cœur. Est-ce qu'il va me sauver? Est-ce qu'il ne va pas me sauver? Ah, il peut sauver parfaitement. Est-ce qu'il peut me sauver? Il est capable. Oui, il peut sauver parfaitement. Peut-être que tu appartiens à un gang intouchable. Tu appartiens à un groupe de personnes. Tu as été très loin dans le péché, à faire le mal. Et comme on invite les gens, venez ici, venez là-bas. Dieu va faire quelque chose de mieux dans votre vie. Les gens ne se diront même pas pour venir. Mais toi, tu es venu de toi-même. Ce soir, ce pourquoi tu es venu, tu auras plus. C'est pour cela, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et ça, c'est ça. Tu dois venir à Dieu par lui, par Jésus-Christ. Ça, c'est la condition. Ça, c'est la condition. Peut-être tu as d'autres choses, tes fétiches, quoi que ce soit. Tu dois laisser toutes ces choses. Parce que toutes ces choses ne peuvent pas sauver parfaitement. Elles ne peuvent pas te sauver pour l'éternité. Mais la seule puissance qui peut te sauver jusqu'à l'éternité, c'est cette puissance du Dieu inchangeable qui sauve à travers Christ. Aider, étant toujours vivant, quiconque essaie de t'aider et qui dit, ne va pas à Dieu, ne va pas à Christ, ne va vers personne. Non, moi je suis là, je vais te sauver. Cette personne ne peut pas vivre pour toujours, tu les connais. Mais dans leur jour d'orgueil exagéré, ils pensaient qu'ils étaient là, qu'ils seraient toujours là. Et que tu peux te venir. Maintenant, ils sont passés. Ils sont morts. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre pour toujours. Dans la rue, dans ton village, dans ta ville. Le seul qui sauve. Les générations passent. Il sauve les générations aujourd'hui. Ce seul Christ, il vit pour toujours. Il vit pour toujours. Pour intercéder en leur faveur. Il intercède pour toi. Il prie pour toi déjà. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, priant pour toi. Et le Père va exaucer sa prière en ta faveur. C'est pourquoi ce soir, comme tu viens, tu dois venir. Tu dois quitter les ténèbres et tu dois venir dans sa lumière. Tu dois laisser ta culpabilité derrière et venir à sa grâce. Tu dois laisser ton auto-justice. Je vais à l'église. Moi aussi, je le faisais avant de naître de nouveau. Tout le monde va à l'église d'une manière ou d'une autre. Je prie, je le faisais aussi. Je donne les offrandes. Je le fais aussi. Je donne ceci, je donne cela. Je donne les aumônes aux pauvres. Je le faisais aussi, mais toutes ces choses ne peuvent pas sauver. C'est pourquoi nous chantons « Roc des âges, frappez pour moi. »
que je trouve un refuge en toi? Est-ce que mes larmes qui coulent toujours? Est-ce que mon zèle qui n'a point de répit? Est-ce que tout ce que je peux faire de moi-même, tout cela ne peut pas sauver? Et c'est toi, toi seul qui peux sauver. Nous laissons toutes ces forces derrière qui ne peuvent pas sauver. Nous venons au Seigneur. Tu viens ce soir. Et comme tu viens, il va te sauver. Il va te pardonner. Il va changer ta vie, transformer ta vie au nom de Jésus. Mais il est capable. Dans mon cas, il est capable. Et toi? J'ai dit, et toi? Si les docteurs t'ont rejeté, dans ton cas, il va te guérir. C'est ceux qui t'aident. Viens, il dit, viens. Oh, on a vu sur leur plaque et arrivé là-bas, tout est zéro. Ne t'en fais pas. Pas de déception. Tu viens à Christ ce soir. Il va sauver, il va guérir, il va délivrer, il va transformer et il va t'affranchir. Est-ce que c'est tout ça? Est-ce que tu l'acceptes? Toutes les résolutions que nous faisons, dire à moi, je ne ferai plus ci, je ne ferai plus ça. Ah, si je le fais encore, que ceci m'arrive. Après, un jour, le deuxième jour, deux jours, peut-être qu'on ne le fait pas, le troisième jour, on a tout oublié, parce que tu ne peux pas te sauver toi-même. Tes résolutions ne peuvent pas te sauver. Ta propre foi, tu ne peux pas te sauver. Ta propre capacité ne peut pas te sauver. Et nous faisons encore la chose. Ah, je ne veux plus mentir. Et tu te retrouves en train de mentir. Tu te gifles toi-même. Les gifles que tu t'infliges là ne peuvent rien changer. Tu dois venir à Christ. Seul Christ peut sauver. J'ai perdu un amen là-bas. Parfois, tu as fait quelque chose. Oh, je vais me coucher par terre. Je vais rouler par terre. Je vais marcher sur des pierres. Tout ça ne peut pas sauver. Quelqu'un a souffert pour toi. Son nom est Jésus. Il a souffert sur la croix. Il a dit tout est accompli. Toutes les autres choses que tu essaies de faire, les autres moyens que tu essaies de suivre, ce n'est plus nécessaire. Il est capable de te sauver. Ce soir, c'est la soirée de ton salut. Luc 19, verset 9. Luc 19, 9. Avant d'aller au verset 9, ce homme s'appelle Zachée. Il était un pécheur terrible. Il était un homme terrible. Il était un homme trompeur. Il était un homme qui trichait tout le monde. Il était un homme qui trompait tout le monde. Et tout le monde savait. Et on disait qu'il est riche, mais sale. Il y avait beaucoup de mauvaises choses. Corruption sous son tiroir. Et il avait ce stigma partout. Mais tout d'un coup, il a entendu dire que Jésus est en ville. Personne l'a invité, alors il voulait voir Jésus. Ce soir, tu vas voir le Sauveur. Il va sauver ton âme. Il va pardonner tes péchés. À cause de la foule, des multitudes, et il avait perdu son respect de soi. Excusez-moi, je vais passer. Excusez-moi, je vais passer. Quand on le regarde, c'est toi parmi les gens. Tu veux passer. Tu veux aller où? Pour aller voir Jésus. C'est le type de personne que Jésus ne veut pas voir. Il ne croyait pas que cet homme pouvait être sauvé. Peut-être que là ce soir, les gens disent,
Même si les autres sont sauvés. Toi, tu penses que tu vas être sauvé? Oui, ce soir, tu seras sauvé. Alors, il est allé sur un arbre. Comme Jésus passait pour regarder Jésus. Quand Jésus est arrivé là, au niveau de l'arbre, il leva les yeux et le regarda. Il a dit Zachée. Il connaissait son nom, bien sûr. Jésus connaît les noms de tout le monde. Et je suis content qu'il connaisse mon nom. Je suis heureux, content qu'il connaisse mon nom. Et vous savez, Jésus ne l'a pas regardé tel que les autres dans toute la ville le regardaient. Les autres, cet homme est un pécheur. Cet homme est mauvais. Oh, cet homme-là est sale. Il est riche, mais on connaît la source de sa richesse. Jésus n'a jamais doigté quelqu'un comme ça. Ce que Jésus voulait en lui, il voulait réécrire l'histoire de sa vie. C'est tout ce que Jésus veut faire dans ta vie ce soir. Peu importe là où tu as été, peu importe ce que tu as fait, peu importe les mensonges, peu importe la malhonnêteté, tous les vols, oui c'est mauvais, mais ce que Jésus veut rechercher, je veux réécrire l'histoire de cet homme. Je veux réécrire l'histoire de cette femme. Et si tu le lui permets ce soir, c'est ton heure. Ainsi donc, Jésus a dit, descends. Parce qu'il faut que je demeure, je loge dans ta maison aujourd'hui. Et l'homme est descendu avec empressement. Il a appelé Seigneur. Déjà, un changement se produisait. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. C'était la première fois que cet homme s'est souvenu des pauvres. Sa vie était en train d'être réécrite. La miséricorde lui parvenait. Et il dit, si j'ai pris quoi que ce soit, de qui que ce soit, la conscience de cet homme a été réveillée. Sa conscience était morte. Sa conscience était dormante. Il n'avait jamais pensé à ce qu'il faisait. Si j'ai fait quoi que ce soit contre qui que ce soit, maintenant, comme il a rencontré Jésus, comme tu rencontres Jésus ce soir, il dit, tu vas rencontrer Jésus ce soir. Et il change la vie, il change ses pensées, il change sa conscience. Jésus-Christ a dit, voyez Luc maintenant, chapitre 19, verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Aujourd'hui, ton jour c'est quand? Dis-le à haute voix. Le salut du Seigneur te parviendra dans ta maison. Et il va tellement changer ta vie. Quand tu étais méchant, tu seras miséricordieux. Là où tu étais destructeur, tu seras un bâtisseur au nom de Jésus. Là où tu étais un trompeur, tu seras un homme honnête, une femme honnête au nom de Jésus. Ce que tu n'arrivais pas à faire, tu n'arrivais pas à mener une vie droite, tu n'arrivais pas à bien parler, tu n'arrivais pas à bien te comporter, la grâce de Dieu te parviendra. Et la puissance du Seigneur viendra à toi. Et il y aura le salut. Il y aura la transformation. Transformation dans tout ce que tu toucheras avec tes mains. Et tu seras un homme fiable, une femme digne de confiance au nom de Jésus. Pourquoi? À cause de sa puissance inchangeable pour sauver. Deuxième point maintenant. Sa puissance illimitée pour guérir. Sa puissance illimitée pour guérir. Ce mot illimité, ça veut dire que ce n'est pas limité à une personne. Sa puissance de guérison atteint tout le monde. Ce n'est pas limité à une seule maladie. Sa puissance de guérison touche, transforme, guérit
toute forme de maladie. Sa puissance n'est pas limitée à une seule nation. Sa puissance de guérison va au-delà d'une nation et va de nation en nation. Parce que sa puissance pour guérir est illimitée. Il va te guérir à ma gauche là-bas, à ma droite là-bas aussi, il va te guérir. Derrière, la guérison te parviendra ce soir. Devant, la guérison te parviendra ce soir. Voyons Matthieu au chapitre 8. En Matthieu 8, verset 16. Matthieu 8, 16. Le soir, une soirée spectaculaire, une soirée spéciale pour ces gens-là. La guérison était venue hier. La guérison est venue la semaine passée. Rien ne s'est produit. Le soir, depuis qu'ils vivaient dans leur communauté. Mais ce jour spécialement, c'était un choix spécial. Tu n'as pas entendu ça. Et ce soir, oui, nous avons une soirée hier, la semaine passée, mais ce soir, c'est une soirée spéciale. C'est une soirée différente. C'est une soirée où tes maladies seront ôtées. C'est une soirée où ce cancer incurable sera guéri. C'est une soirée où cette chose avec laquelle tu te débattais, voici le soir spécial, toutes ces choses seront ôtées. Verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques et chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Quand vous possédez quelque chose, vous avez cette chose. Et quand quelque chose vous possède, cette chose vous a. Ceux-là qui ont été conduits à Christ, ils étaient possédés par les démons. Les démons les ont possédés. Et ils possédaient les démons. La maladie les possédait. Et eux, ils possédaient la maladie. Et eux, ils possédaient les maladies. Ce que les gens disent, mes maux de tête, ils sont déjà possédés. Mon cancer, ils possèdent ça déjà. Ils disent, mon diabète, ils possèdent ça déjà. Ils disent, mon aveuglement ne va pas me permettre d'aller là-bas. Ils appellent mon ma. Parce que c'est devenu leur propriété. Toutes les propriétés du diable, maladies, infirmités et démons, ce soir, ils sortent au nom de Jésus. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il chassa les esprits par... Dites-moi, non, ce n'est pas par son huile, ce n'est pas par son eau, ce n'est pas par sa poussée, ce n'est pas par sa touche, simplement par sa parole. Et cette parole te parvient ce soir. Cette parole va te guérir ce soir. Cette parole va ouvrir les yeux aveugles ce soir. Cette parole te sortira de là où tu es, où la maladie t'a possédé et t'a maintenu alité. Tu te lèveras ce soir au nom de Jésus. Et il guérit tous les malades. Je suis guéri ce soir. Je suis guéri ce soir. Quand il est venu à la présence de Dieu, ils ont laissé leur maladie derrière. Tu laisseras tes maladies derrière. Tu vas laisser tes tourments derrière. Toutes ces choses qui tourmentaient ta vie ce soir. Quand tu vas te lever,
ils vont tomber de ton corps. Et quand nous prierons au nom de Jésus et que nous mentionnerons ce nom à la fin de la prière, voici, tu seras libre. Je serai libre. Quelle que soit la maladie, je serai libre. Ma mère sera libre. Mon père sera libre. Dis-le pour toi, non? Mes enfants seront libres. Et mes bien-aimés, n'importe où se trouvent, ce soir, quand tu entendras ce Amen au nom de Jésus, ce soir spécial, toutes ces choses qui les tourmentent disparaîtront. Dans le verset 17, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé. Quelque chose avait été annoncé il y a des centaines d'années. Et ce soir, là où ils sont arrivés, Dieu a dit au ciel, ce qu'il avait annoncé doit être accompli. Plusieurs ne comprennent pas cela. Ils pensent, oh, s'il crie, si nous sommes en sueur, si nous roulons par terre, nous serons guéris. Non, ça va au-delà de ça. Ce que Dieu a écrit. Et qu'il y aura un soir où il le fera, un soir spécial. Et nous serons là où nous sommes là maintenant, parce que toutes ces œuvres sont connues de Dieu depuis la fondation du monde. Il sait que cette nuit tu seras là. Et le Seigneur dit, ce qu'il avait annoncé ce soir, ce sera accompli. La guérison sera accomplie. Délivrance accomplie. La manifestation de la puissance du Seigneur accomplie. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Lui-même. C'est qui lui-même là? C'est Jésus. Il a déjà pris tes infirmités. Tes maladies, il va les ôter. Tes tourments, il va les ôter. Tes nuits sans sommeil, d'insomnie, il va les ôter. Parce que ce soir, c'est la nuit de la puissance de Christ manifestée comme cela a été annoncé. Ce soir, tu es guéri. Ce soir, je suis guéri. Troisième point. Sa puissance indéniable pour délivrer. Sa puissance indéniable pour délivrer. Il a la puissance. Et maintenant, il vient pour délivrer. Et il va te délivrer. Je dis, il va te délivrer. En Marc 5. Verset 1er. Marc 5 à part du verset 1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Dans le chapitre 4, le Seigneur avait dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Ses disciples n'avaient jamais... Je ne savais pas ce qu'il y avait, mais Jésus savait qu'il y avait quelqu'un d'autre bord qui attendait la délivrance. Voilà pourquoi nous avons traversé pour venir à l'autre bord. Nous étions dans l'état de Rivers. Nous avons été dans l'état de Lagos. Nous avons été à Taraba cette année. Maintenant, nous sommes venus avec toi. Et la raison pour laquelle Christ a traversé pour venir à l'autre bord, c'est à cause de ce territoire qui a besoin de la délivrance. La raison pour laquelle nous sommes passés à l'autre bord pour venir vers vous face à face, c'est parce que le Seigneur a déterminé que tu dois être délivré de toute puissance qui te maintenait en captivité. Ce soir, tu es délivré. Ce soir, tu es affranchi. Les jougs de ta vie sont brisés au nom de Jésus. Voyons le verset 2 de Marc 5. Aussitôt,
que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Esprit impur. Vous voyez, l'esprit impur, ils font beaucoup de choses. Certains esprits impurs rendent les gens impurs. Ils les poussent à avoir de mauvaises pensées, une vie impure. Les poussent à avoir des habitudes impures. Les poussent à avoir des comportements impurs. Mais comme tu viens à Christ ce soir, il va chasser ce mauvais esprit impur de ta vie. Certains esprits impurs rendent les gens aveugles, rendent les gens sourds, rendent les gens muets. Et ils ont amené un garçon à Christ. Et la Bible dit qu'il avait un esprit impur. Et Jésus a demandé au Père, depuis quand cela lui arrive? Il a dit, depuis son enfance. Et parfois, il le jette dans la rivière, dans l'eau pour le noyer. Et parfois, il le jette dans le feu pour le brûler. Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre secours. Ton secours est venu. Ce n'est pas que s'il peut faire quelque chose. Si toi, tu peux seulement croire, tout est possible ce soir. Il va te délivrer. Cet homme, avec l'esprit impur, avait une puissance, une force excessive. Si on le lie de chaînes, il brise les chaînes. Il va vers les sépulcres et il se déchirait. Ça, c'est une autre activité des mauvais esprits impurs. Maintenant, Christ est venu et toute activité des mauvais esprits, tout est ôté de ta vie. Viens seulement à Christ, viens seulement. Il va te sauver, il va te pardonner, il va changer ta vie. Et toute chaîne sera brisée de ta vie. Verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Les esprits impurs, mais les activités de l'esprit impur dans ce monsieur, c'est qu'il était si physiquement puissant qu'aucune puissance ne pouvait le dompter. Regarde ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas qui dépasse ta force humaine? Tu veux mener une vie de justice, mener une vie droite, bien parler, mais il y a une autre force, une puissance qui te contrôle. Tu dis, oh, j'aurais souhaité être aussi gentil, être aussi honnête que je dois l'être. Oh, j'aurais souhaité être aussi doux comme je le dois. Mais la force qui dépasse ta résolution, ta décision, ne te permet pas d'avoir une telle bonté, une telle gentillesse. Les chaînes n'arrivent pas à te lier. Les chaînes de la loi, les chaînes de la constitution, les chaînes de tout ce qui est autour de toi n'arrivent pas à te contrôler. Nous sommes venus ce soir, la puissance, pour briser toutes tes chaînes. Cette puissance sera manifestée. Verset 4. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. L'école n'a pas pu le dompter. La prison n'a pas pu le dompter. Les forces de l'ordre n'ont pas pu le dompter. Les parents n'ont pas pu le dompter. Et ceux qui ont été recrutés par le gouvernement ou bien par la famille
pour l'enchaîner. Personne n'a pu le dompter, mais il y a une puissance venant du ciel aujourd'hui. Même s'il dépasse la force du Seigneur, la puissance de la prison, la puissance des institutions correctionnelles, et personne n'arrive à te dompter, gloire à Dieu, Christ va prendre contrôle de ta vie ce soir. Tout ce que ces institutions n'ont pas pu faire, n'ont pas pu corriger, Christ ne va pas échouer dans ta vie. Christ ne va pas faillir dans ma vie. Amen. Verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il sentait la douleur et il pleurait. Il voyait le sang gicler. Ça, c'est mon sang qui coule. Si ça continue à sortir comme ça, je peux perdre tout mon sang et mourir. Il pleurait, criant. Même s'il criait, il ne pouvait pas contrôler ce qui le poussait à le faire. Il y a des gens, ils savent que ce qu'ils fument leur fait du mal. Ils crient. Ils disent, oh, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Cependant, ils continuent à le faire. Ils savent que ce qu'ils boivent va les tuer. Cependant, ils continuent à le faire. Il y a une force au-delà de leur force qui amène l'addiction dans leur vie. Ils ne veulent pas, mais ils le font. Mais il y a une puissance que je viens te présenter ce soir. La puissance indéniable de Jésus-Christ. Il va te délivrer. Dans le verset 6, on nous dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui, verset 7. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il, Jésus, toi, fils de Dieu? Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? L'homme humain, il a couru vers Jésus. Une puissance, une voix. Pour dire, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi, Jésus? Il était une double personnalité. Il était une double personnalité. Courant à Christ, oh j'aime Christ, je veux le salut, je veux la délivrance, je veux la guérison, je veux sa bonté. Il a couru vers Christ, ça c'est une partie de sa personnalité. Mais l'autre partie de sa personnalité, qu'est-ce que j'ai à faire avec tout, la religion? Qu'est-ce que je veux faire avec Jésus? Qu'est-ce que je veux faire avec la prière? Qu'est-ce que je veux faire avec la croisade? Qu'est-ce que j'ai à faire avec Jésus? Celui qui brise les chaînes, vous voyez, ce mauvais esprit est celui qui parlait en lui. Voilà pourquoi, quand je dis, si tu veux que tes péchés soient pardonnés, si tu veux le salut du Seigneur, lève la main. Une partie de toi dit, ah ça c'est toi, lève ta main. Et tu veux lever la main. Et il y a une autre partie de toi qui dit, on baisse la main là. Pourquoi tu veux être sauvé? Nous sommes là. Et nous sommes occupés. C'est nous qui gérons ta main. Nous gérons ta personnalité. Pourquoi veux-tu nous laisser et aller à Christ? N'écoute pas cette autre voix. Lève simplement ta main. Et tu veux Jésus. Quelqu'un là-bas ce soir, je veux Jésus. Je veux Jésus. Le sauveur, je le veux. Le guérisseur, je le veux. Le libérateur, je le veux. Quelles que soient les autres voies, quelles que soient les autres influences, tu dis, qui dit ne fais pas ça, tu ne les écoutes pas,
tu viens à Jésus malgré tout cela. Amen. Et tu seras sauvé. Verset 8. Verset 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Verset 9. Verset 9. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Est-ce que vous pouvez penser à un homme contrôlé par même cinq êtres humains, cinq hommes? L'autre dit va là-bas, l'autre dit va de l'autre côté, l'autre dit va là-bas. Si un homme est contrôlé par cinq personnes différentes, sa vie ne sera pas droite. Sa vie ne sera pas contre. Il va obéir à A. B va dire, allez là, tu veux obéir à B. C dit non, va comme ça. Tu veux obéir à C. A, D, dit non, va par là. Va. Cet homme sera comme un ballon qu'on est en train de jouer à gauche, à droite. Et sa vie ne va jamais atteindre la destination. Mais cet homme, contrôlé par une légion, plus que 2000 mauvais esprits. Et ces mauvais esprits-là, ils avaient des désirs différents, des contrôles différents, ils avaient des poussées différentes, des propos différents. Ce n'est pas étonnant que cet homme était comme ça. Mais, en une phrase, toute la légion qui contrôlait la vie de quelqu'un, ce soir, ils sont sortis au nom de Jésus. Verset 10. Verset 10. Et ils le priaient instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Ce n'est pas l'homme qui parlait, c'est le mauvais esprit qui parlait. C'est l'esprit impur qui parlait. Et l'homme, il était l'habitation de ces mauvais esprits. Il n'avait aucun contrôle. Ah. Il disait ce qu'il voulait. L'homme était juste comme un toxicomane. Il n'y avait rien que lui puisse faire. Ce sont ces mauvais esprits qui contrôlaient tout. Et ils ont continué à parler. Et l'homme était debout là. Il voulait que Jésus, quand Jésus a dit, a donné le dernier mot, il savait que ça va se passer. Regardez, verset 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Verset 12. Et les démons le prièrent. Il les a appelés esprits impurs. Maintenant, nous savons qui ils sont. Ils étaient les démons. Les démons. Tout démon sortira de ta vie. Ah, tu n'as pas de démons. Bon. L'homme ne savait pas qu'il avait des démons. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait une pierre avec laquelle il se déchirait. Peut-être toi, tu as une pierre. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je me coupe moi-même. Et les démons, moi, je ne sais pas. Je ne connais pas ce mot-là. Et les mauvais esprits, esprit impur, je ne sais pas. L'homme ne savait même pas que ce qui le poussait à se couper, ce qui le poussait à se détruire, ce qui le poussait à commettre un suicide graduel, c'était les démons. L'homme ne le savait pas, mais Jésus le savait. Tout ce que Jésus connaît de ta vie, qui ne doit pas rester dans ta vie ce soir, ils vont sortir. Toute puissance qui ne te permette pas d'avoir le contrôle de ta propre vie et te contrôle pour te conduire à la perdition ce soir, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a donc cette puissance indéniable qui apporte la délivrance. Jésus pouvait dire, parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le verset 13, il leur permet. Et les esprits impurs. Jésus a dit sortez. Jésus à tout prix voulait que l'homme soit libéré. Il y avait environ 2000 pourceaux
et il y a un seul homme. Et Jésus a considéré l'homme plus important que tout le troupeau de pourceaux. Alors il a permis à ces pourceaux de périr pour sauver un homme. Tout ce à quoi tu peux penser sur la terre, Christ te considère plus important que cela. Et il va te sauver. J'ai dit, il va te sauver. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Il n'est plus possédé. Quand Jésus vient dans ta vie, tu n'es plus possédé. Quand Jésus te guérit, tu n'es plus malade. Je pensais que tu vas dire amen. Si Jésus prend le contrôle de ta vie ce soir, tu n'es plus un pécheur, tu seras sauvé. Et il vit auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Tout ce que les experts essaient de faire dans la vie de cet homme et qu'ils n'ont pas pu le dompter, Jésus-Christ, avec un seul mot, a parlé et tous ces mauvais esprits ont quitté. Le mauvais caractère est parti. Le caractère incontrôlable est parti. Les actions suicidaires, tout l'a quitté en un seul mot. Il était dans son bon sens. Dans son bon sens. Ton heure a sonné. Où es-tu là-bas? Ton heure a sonné. Il va pardonner tes péchés. Il va sauver ton âme. Il va guérir ta maladie. Il va te délivrer de tout tourment. Et voici ton soir spécial. Et ça va avoir lieu. Où es-tu là-bas? Ça va t'arriver. Tout ce qui doit ébranler sera ébranlé de ta vie. Tout ce qui tourmentait sera chassé de ta vie. La bonne miséricorde du Seigneur va commencer ton histoire dans ta vie ce soir même. La tête baissée. Les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Ton heure a sonné. Mon heure a sonné. Tu veux que le Seigneur pardonne tout péché que tu as jamais commis. Tu veux que le Seigneur redresse toutes les mauvaises choses que tu as eu à faire. Tu veux que le Seigneur te donne une feuille blanche et efface toutes choses sales que tu as pu accomplir par le passé, partout tu es. Lève simplement ta main. Une nouvelle vie commence pour toi maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Que ces autres voix ne disent pas baisse la main. Non, lève la main. Et dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Le pardon vient. Le salut vient. Toi-même, tu pourras. Tu auras le bon sens. Et si tu lèves la main, mets-toi debout. Mets-toi debout pour Jésus. Mets-toi debout partout où tu es. Tu dis, je viens. Je donne mon cœur, ma vie à Jésus-Christ. Et je veux qu'il me pardonne, je veux qu'il me sauve, je veux qu'il transforme ma vie, je veux qu'il dompte ma vie, que Dieu te bénisse là-bas. Le miracle du salut vient à toi maintenant, partout où tu es. Lève simplement ta main et mets-toi debout et dis Seigneur, me voici. Alors mets-toi debout là-bas pour dire Seigneur, me voici. Je prie avec vous maintenant, rappelez-vous. Quand nous mentionnons le nom de Jésus, tout ton passé sera pardonné totalement. Dis Amen.
Une nouvelle vie va commencer pour toi. Lève ta main comme tu te lèves, en ligne, partout où vous êtes. Faites la même chose. Le Seigneur veut réécrire l'histoire de ta vie. À partir de ce soir, Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions parce que tu as la puissance inchangeable pour sauver. Seigneur, nous venons en faveur de ces frères et sœurs, fils et filles. Nous demandons, Seigneur, pardonne tous leurs péchés au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, sauve leur âme au nom de Jésus. Toute mauvaise chose du passé, pardonne et efface toute chose. Libère les captifs. Je prie, Seigneur, les mauvaises habitudes qui les possédaient, qui les contrôlaient. Je prie que tu brises le pouvoir de ces mauvaises habitudes au nom de Jésus. Viens dans leur cœur. Viens rester et viens pour les aider dans la nouvelle vie. Seigneur, nous te remercions. Ton salut leur est parvenu maintenant. Ton pardon leur est parvenu maintenant. Donne-leur l'assurance qu'ils sont pardonnés, qu'ils sont sauvés. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. Amen. Toujours debout. Les conseillers sont là. Nous remercions Dieu pour l'amant dont nous a parlé, son serviteur qui nous a conduit au salut. Alors, partout nous sommes. Recevons maintenant ceux-là qui ont levé la main, occupons-nous d'eux et donnons-leur les fiches des décisions. Partout où nous sommes, dans les nations, dans nos régions, dans nos districts, dans nos groupes, n'importe où nous sommes, dans les régions, occupons-nous d'eux, ceux qui ont levé surtout la main ce soir, s'il vous plaît. Faisons-le rapidement. Là, l'évidence de la transformation glorieuse. Toujours la main levée. Donc, vous qui remplissez les formulaires, les fiches de décision, s'il vous plaît, écrivez, remplissez-les correctement. Mais levez s'il vous plaît. Si vous n'avez pas encore reçu la fiche de décision. Donc, occupons-nous de ceux-là qui ont levé la main. Pour vous qui êtes en ligne,
Il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus et vous verrez un formulaire en ligne. Donc, pour vous qui suivez en ligne, à travers les radios ou à la télévision, il y a des numéros qui vous seront communiqués que vous pouvez contacter pour nous aider. Ou bien vous pouvez nous connecter sur le numéro plus 234 91 54 44 92 63. Plus 234 91 54 44 92 63. Vous pouvez nous envoyer des messages par WhatsApp, puisque c'est un numéro WhatsApp, pour que nous puissions vous aider et vous aider à contacter l'église qui sera proche de vous pour vous permettre donc de continuer si vous avez véritablement pris la décision ce soir. Occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont levé la main, s'il vous plaît, dans nos différentes nations, dans nos états, dans nos régions, dans nos villes, communes et autres. Là où vous êtes, dans le district ou bien en plein air pour la croisade, aidons ceux-là qui ont levé la main ce soir à remplir la fiche de décision. Cela nous permettra de les aider donc dans leur nouvelle marche et dans leur nouvelle vie avec le Seigneur. Vous avez commencé, vous qui avez levé la main, une nouvelle marche avec le Seigneur. Et il y aura un banquet spécial pour vous le dimanche 5. Le 5 mai, partout dans toutes nos églises. Et donc, en remplissant correctement les fiches de décision, on pourra vous contacter pour vous donner les détails sur le lieu, l'heure et le moment. Et comme l'homme de Dieu prie pour nous ce soir, le Seigneur accomplira de grands miracles. Et si vous recevez votre miracle, je sais que Dieu vous touche et vous touchera. Nous voudrions donc que vous partagiez votre témoignage pour que vous puissiez le partager avec nous. Vous pourrez également enregistrer la vidéo de votre témoignage sur votre propre téléphone et l'envoyer par WhatsApp pour que nous puissions nous réjouir de ce que le Seigneur a fait pour vous. N'ayez pas honte de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour vous.
L'homme de Dieu vient bientôt pour décréter. Dieu va ôter la maladie. Et cette maladie ne sera plus là. Vous êtes là pour de grands miracles. Le serviteur de Dieu vient bientôt. La touche de Dieu vient pour tous ceux qui sont malades. Quelle que soit la maladie, l'aveuglement, tout va disparaître quand l'homme de Dieu prie. L'homme de Dieu est prêt. Ce sera confirmé. De grands miracles auront lieu dans ta vie maintenant. Notre paix dans le Seigneur vient bientôt. Et le Seigneur l'a préparé là loin. Pour ta guérison, pour ta délivrance, pour briser les jougs. Et pour affranchir, Dieu, l'ennemi ne t'a pas empêché de venir. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. C'est un moment de miracle. Et ça va arriver ce soir. Gloire à Dieu. Ton heure de miracle a sonné. Guérison. Délivrance. Libération totale. Une fois que nous mentionnons le nom de Jésus, il y aura la délivrance dans ta vie. Tu veux la guérison, tu veux la délivrance, tu veux un miracle, partout où tu es. Lève simplement la main. Nous prions maintenant. Et après le dernier amen, examine-toi. Toutes ces choses sont parties. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que nous savons que tu es toujours le même. Et parce que tu es le même, tu vas guérir les malades, tu vas délivrer les opprimés, tu vas affranchir les captifs. Seigneur, dans ta miséricorde, dans ta compassion, manifeste ta puissance maintenant au nom de Jésus. Délivre chacun. Touche et transforme chaque vie. Et je prie que toute maladie, toute infirmité soit ôtée maintenant même au nom de Jésus. À gauche, à droite, devant, derrière, tout ce qui est appelé maladie, tout ce qui est appelé infirmité, tout ce qui est appelé attaque, affliction du diable, brise-les maintenant au nom de Jésus. Manifeste la puissance maintenant. Donne le témoignage à chacun maintenant. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Fais-le. Merci Seigneur. C'est fait. C'est fait. La confirmation dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Examine-toi maintenant. Tu verras la guérison, les miracles là maintenant.